Quand on regarde ce qui est commun à la crise écologique, à la crise sociale, à la crise financière, on a un couple de la démesure, d'une part, dans les rapports à la nature, dans le creusement des inégalités sociales, dans le découplage entre économie financière et économie réelle. 3% seulement des échanges quotidiens mondiaux correspondent à des biens et des services réels. Cette statistique rappelée par Bernard Létard, un des anciens responsables de la Banque centrale de Belgique, en dit long sur la démesure. Mais derrière de la démesure, vous trouvez du mal-être, de la maltraitance et du mal de vivre. Le programme des Nations Unies pour le développement avait mis en évidence que les seules dépenses d'économie de la drogue, d'économie de l'armement et de publicité représentaient ensemble 40 fois les sommes qui seraient nécessaires sur les besoins vitaux de l'humanité. Accès à l'eau, faim et malnutrition, soins de base, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on raisonne en termes d'un développement humain soutenable, en donnant plus à force au développement durable, c'est un autre couple qu'il faut mettre en place, qui est le couple de l'acceptation des limites face à la démesure, mais aussi de ce que les prochains dialogues en humanité appellent la question du bien-vivre à la suite du Forum social mondial de Belém. Et les questions du CARE dans leur sens positif, pas dans leur sens restrictif, mais en tant que question du mieux-être, de la qualité de vie, d'une société de l'attention avec un A, plutôt qu'une société de l'attention avec un T, l'attention de la course, de la compétition, de la rivalité, etc. Ça, c'est effectivement un enjeu tout à fait fondamental, et sur lequel l'enjeu de dialogue ou guerre de civilisation se joue, parce que le droit des femmes, il est au cœur d'un enjeu tout à fait fondamental qui est comment on garde le meilleur de la modernité occidentale, qui est justement l'émancipation, les droits humains, le côté positif de l'individuation, la liberté de conscience, sans avoir le pire de la modernité, qui a été la chosification sous toutes ses formes, et comment on retrouve un dialogue exigeant avec des sociétés de tradition, qui ont comme point fort du rapport à la nature, du rapport au lien social et du rapport au sens, mais dont le point faible est que ce rapport peut être un rapport de dépendance. C'est sur le droit des femmes que se joue la rencontre du meilleur de la modernité avec le meilleur des sociétés de tradition. Alors que dans la situation inverse, le droit des femmes est la première victime de nouveaux Yalta, où au nom du relativisme culturel, on va dire, bah, écoutez, l'excision c'est un problème culturel, etc. Et ça, c'est un enjeu mondial, mondial. Ce qui va nous permettre une question un peu plus tard. Emmanuel, vous voulez intervenir sur ce qui a été dit? Alors, je voulais rebondir sur le vivre ensemble. Quand on dit que le vivre ensemble, c'est une des premières préoccupations, effectivement, de toutes les collectivités locales. Je crois qu'on a deux réponses absolument caricaturales du masculin, entre guillemets, et du féminin, entre guillemets. On a la réponse au problème, qui est la réponse du quartier, qui est la caricature de la réponse masculine avec on envoie des forces, on envoie des CRS et on règle tout ça à grand coup de matraque. Et on a la caricature du féminin qui serait une approche d'accompagnement, de réflexion sociale, pas forcément de compassion, mais en tout cas de réflexion et d'accompagnement sociétal, social. Je ne suis pas du tout, j'ai aucune expertise à m'exprimer là-dessus, mais on voit que c'est extrêmement caricatural et que quand on reste toujours dans cette binarité du masculin féminin, on est complètement coincé dans ses pensées et on n'arrive pas à avoir une approche pragmatique de ce qui pourrait être développé et de ce dont les sociétés ont besoin. Et avec un autre problème qui est le féminin qui reste, et toujours, je mets toujours des guillemets, hein, c'est toujours des valeurs, c'est pas des choses intrinsèques, le féminin qui reste quelque part un petit peu vu de haut, méprisé, c'est pas efficace, passons aux vraies solutions, qui du coup font que ces solutions qui sont plus de l'ordre de la coopération sont moins bien vues. Et je me permettrai d'occuper un tout petit peu de temps de parler, de rebondir sur ce que vous dites, sur les droits des femmes qui sont au centre. C'est vraiment absolument fondamental, et c'est très dur de trouver un équilibre entre à la fois pas de relativisme culturel, mais pas d'impérialisme, et puis pas d'utilisation des droits des femmes à des fins qui sont pas celles qu'elles devraient être. Je crois que je partage vraiment tout ce qui a été dit, et pour moi, au cœur du développement durable, il y a le positionnement et le rôle autant privé, social que politique des femmes. Et d'ailleurs, dans tous les programmes aujourd'hui, autant de développement durable que de développement, je pense à l'Afrique qui est le continent le plus ciblé comme étant aujourd'hui en extrême pauvreté grave, avec une situation des femmes qui est très spécifique, il est clair que tous les experts sont convaincus
de la possibilité par les femmes de conduire des programmes de développement, et on retrouve la femme actrice émancipée par une autonomie personnelle. Et donc on est dans un jeu lié autant au développement durable, partagé par des hommes et des femmes, mais où on décide de positionner les femmes, pas seulement sur le plan juridique, mais beaucoup dans l'action, pour qu'elles s'approprient les projets, les programmes, qu'elles fassent le lien à l'eau, à la terre, au microcrédit, etc. Et est-ce que c'est justement une autre façon d'aborder notre thématique, et nous sommes dans le champ international, est-ce que la question, c'est pas de se dire, quand les femmes sont dans l'action, est-ce qu'elles ne démontrent pas une capacité à faire différemment et peut-être d'une façon beaucoup plus efficiente et efficace? Alors, vous parlez du microcrédit. On a quelques exemples de chefs de femmes chefs d'État. On a effectivement un chancelier en Allemagne. Mais est-ce que vous, votre constat, c'est que justement, il y a quelque chose qui bouge et qui va dans le bon sens à ce niveau-là? Il y a peut-être derrière ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que la femme, que ce soit dans les sociétés occidentales, encore plus dans les sociétés, par exemple, africaines, elle est obligée de gérer de toute façon le quotidien. Donc elle est plus dans le concret, alors que l'homme peut être plus dans la théorisation, est absent des tâches quotidiennes. Et donc aborder le même problème, mais de manière un peu différente, par la réalité des choses, et pas simplement par une vue abstraite qu'on va essayer de faire passer ensuite en action. C'est un autre modèle de gouvernement, c'est l'action. Oui, dans les pays en voie de développement, Esther Duflo le montre, il y a une enquête de l'UNICEF qui le montre. Alors si on prend un raccourci, on se rend compte que lorsque les femmes ont le pouvoir, le poids des enfants augmente, et il y a moins de malnutrition, parce que lorsqu'elles ont le pouvoir dans les municipalités, par exemple, au lieu d'attribuer les terres à des industriels qui vont exportées, ben, elles les attribuent à des paysans locaux qui vont nourrir les populations locales. Donc c'est aussi bête que ça, mais voilà, c'est pragmatique. Comme ça, dans les modèles de social business, hein, qui est un terme générique qu'on avait entendu, on s'aperçoit que les vecteurs les plus actifs et les plus pérennes, ce sont vraiment les femmes. Aussi bien d'ailleurs dans la transmission des valeurs, et aussi passer un nouveau cap. C'est celle qui explique que les temps changent. C'est étonnant de voir que ce sont elles qui ont la parole du changement. Oui, et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Isabelle, c'est vrai que même dans l'éducation des fillettes, on se rend compte qu'à partir du moment où les fillettes vont à l'école, elles font en sorte que elles ont donc accès à l'écriture, et leurs propres enfants-filles vont aussi à l'école avec des incidences sur le plan sanitaire, sur un autre sujet. Alors du coup, ma question sur le plan international n'est plus de savoir si la gouvernance va être en cours de féminisation. J'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas, la question c'est plutôt de dire, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que le monde se féminise en termes de gouvernance et d'action? C'est clair qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde aux différents niveaux, la sphère politique est encore extrêmement masculine. Dans notre pays, elle est très masculine, c'est clair. Elle va peut-être reculer encore avec effectivement la réforme territoriale, parce que on avait fait le grand pas en avant avec la parité au municipal. Si on veut des systèmes qui permettent de promouvoir les femmes, il faut des systèmes de liste. Si effectivement au scrutin une liste nominale, il y a encore un petit peu de travail pour que les choses rentrent dans la société et qu'il y ait une véritable égalité. Donc c'est clair que là-dessus, quand je disais tout à l'heure, c'est à la fois par le bas, par la société, mais il y a quelques mesures particulières qui, là, pour le coup, méritent d'être prises au niveau national et international. C'est la même chose. On pourrait penser que, par exemple, dans l'ensemble des institutions internationales, on puisse avoir un semblant de parité.